Hello les fans de Roblox, comment allez-vous? Moi en tout cas je vais très bien et je suis heureuse de vous revoir parmi nous et aussi si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis très heureuse pour les nouveaux abonnés, ils sont la bienvenue parce que cette chaîne c'est pour ceux qui aiment bien Roblox et qui jouent. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de regarder un tuto cooking à la télé. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir quelques astuces pour devenir très rapidement riche. Ou alors, quand vous êtes en train de construire la maison, moi, ça m'a très aidé. Mais tout d'abord, j'ai rempli mon frigo. Ouais, je sais ce que vous dites. Team Black, non. Vous rappelez, la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais qu'une boîte d'haricots en bois. Voilà. Et maintenant, j'ai des raisins de cœur. Tenez, on va faire un gâteau et après on passera à la vidéo. Alors, si je prends un raisin, est-ce que je peux faire un gâteau au raisin? Non, je ne vais pas placer. Ah si, là je place. Je ne veux pas le manger, vous savez quoi? Vous savez quoi? On va le remettre au frais. J'appuie sur la croix. Attendez, j'ai pas supprimé, j'espère. Je vais juste voir si c'est toujours. Ah non! Il reste qu'un seul raisin, il y en avait deux. C'est pas grave, j'ai jeté par la fenêtre 3 euros comme on dit. Bon les amis, je vais voir prendre des ingrédients. Ah voilà, c'est ici. On peut faire plein de choses sur Bloxburg. C'est très réaliste. C'est pour ça que j'aime. Vous savez quoi, on va faire crêpes, des crêpes pour augmenter mon niveau. Des pancakes. Les amis, on va les faire ensemble. Et après, je vous promets qu'on passera aux petites astuces pour devenir rapidement riche et rapidement gagner de l'argent. Donc là, on va commencer à faire des crêpes. Hein. Excusez-moi, mais ça se fait quand même. J'ai rempli mon frigo. La dernière fois, j'avais que des haricots. Donc voilà, on va faire mélanger. Tac. Donc ici, je suis en train de mélanger ma farine, j'arrive plus à parler, mon sucre. Et après, on va les faire sauter à la poêle. Donc là, il faut que j'appuie sur la touche Q. Ensuite, il faut que je zoome. Ah, il faut que je fasse frire. Sur le grill. Je sais pas pourquoi il y a un placard ouvert. Ah voilà, maintenant il faut que j'appuie là-haut, j'avais pas vu. Ah mais tant pis, hein. J'avais pas vu. Voilà, là, tac. Là, je vais fermer. Voilà. Ah, ça prend longtemps quand même, hein. Du sel. Ok, la touche clé. On va mélanger. Je vais assaisonner pendant que ça aère. Donc ça va frire. Voilà, je vais lentement le. Les amis, on fait une leçon de cuisine, c'est un tuto pour cuisiner mais sur Roblox. D'accord. Ici, il faut appuyer. Voilà. Non, en vérité, vous mélangez les ingrédients, vous faites votre pâte, vous la mettez dans une poêle et vous faites retourner pour faire des crêpes. Et après, vous mettez un carré de beurre par-dessus, du caramel aussi, c'est bon. Et voilà. Donc bon, c'est bientôt fini là ou pas là? J'espère au moins que je vais monter mon niveau de cuisine, hein, parce que sinon. Oh là là, en plus j'aime bien cuisiner. C'est Z, la touche Z, j'ai pas besoin de bouger la souris. Je suis contente, les amis, je suis contente. On va déguster ça. Vous voyez que j'avais déjà fait une sorte de bouillie à côté, une bouillie verte. Et non mais. Dites-moi si vous jouez à Bloxburg en commentaire. Si vous jouez à Bloxburg, vous pouvez me dire si vous avez déjà fait des petites bouillies vertes là. Elle est vraiment dégoûtante. Hein. Elle a pas de goût en fait. On va comparer les deux. On va prendre une moitié de la bouillie verte. Voilà, on va manger à petite cuillère. Ça fait très longtemps que j'en mange ça, donc c'est normal que l'assiette n'y plus. Ouais, bof, ah non, c'est pas bon. Hein. Et là, on va goûter mes délicieux pancakes. Ne vous en faites pas, les amis, on va bientôt passer aux petites astuces. Ok, pancakes, on peut goûter. Ah, c'est trop bon, les amis. On va voir les nouvelles cuisines dans une prochaine vidéo parce que là, je suis passée au niveau 2. Les nouvelles cuisines requises que je pourrais. Comme ça. Tac, et fermé. C'est bon, les amis. Alors, la première chose à faire pour gagner de l'argent, déjà, c'est d'avoir son humeur boostée à fond. Ça veut dire que si jamais, quand vous êtes en train de travailler, vous commencez à sentir mauvais ou alors que vous êtes. En fait, la faim et l'amusement, on s'en fiche un petit peu. Le plus important, c'est dormir et de se prendre une douche. Voilà. Parce qu'en fait, généralement, les deux vont ensemble. Dès que tu commences à sentir pas bon, et ben, tu commences à marcher tout lentement parce qu'il te manque.
On va juste faire le lit. Voilà, donc nous allons commencer à aller chercher un job. Et le premier job que je vous conseille vraiment, c'est... alors, travailler, tac. Donc, la chômeur, caissier, coiffeur, on tient livreur bizarre. Voilà, livreur. Nous allons voir livreur. C'est un job très facile, hein, j'ai envie de dire. Donc, une fois que vous avez été livreur, vous allez voir, on va comparer l'argent qu'on gagne en étant livreur et à l'argent qu'on gagne en étant caissier. C'est les deux meilleurs métiers, je pense que plutôt coiffeur, vous allez voir. Par exemple, là, je vais apporter cette pizza à un client, surtout que c'est très bien parce que il y a les clients, je trouve, qui sont vraiment pas loin de votre point où vous prenez votre lieu de travail, où vous prenez les pizza, vraiment, je pense que je trouve qu'ils ont été light, hein, cool sur la longueur des clients. Donc là, on n'a vraiment pas besoin d'aller très loin. Regardez, j'ai gagné 126 euros grâce à un seul client. Alors imaginez si en étant livreur, vous allez livrer des pizzas à plein de clients. Je vous montre en accéléré ce que ça donne et on va voir après combien je gagne. Donc j'ai gagné 666 euros avec quelques clients, pas beaucoup. Donc voilà, c'est très pratique. Quand moi j'ai fait ça quand je voulais tout simplement construire ma maison en même temps et je devais travailler, ça vous évitera d'acheter de l'argent avec des Robux. Le deuxième métier qui est super utile, donc tous ces métiers, crème glacée et tout, vous laissez tomber, c'est caissier. Je vais vous montrer pourquoi. Ah, il y a des factures à payer, on dirait. Ça aussi, je vais vous montrer. Ça vous permettra de vous payer les factures rapidement. Et allez, caissier, je vais vous montrer. Il suffit d'avoir la bonne technique pour le caissier. Voilà, donc le caissier, vous voyez, il faut d'abord prendre un sac parce que si on scanne comme ça marche pas. Et vous allez prendre un sac. Je vais vous expliquer un petit truc. C'est un secret que j'ai découvert toute seule. Je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont découvert. En tout cas, moi, j'ai découvert comme ça. Vous allez prendre trois sacs et vous appuyez constamment sur eux. Donc ça, c'est pas la technique. Ce que je voulais vous dire, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais au fil du temps, les clients disent bonjour, salut, yeah, ou quoi. Ils disent tout le temps les mêmes choses. Bonne journée, par exemple. Et au fil du temps, ceux qui disent par une bonne journée, normalement, ça demande quatre sacs ou trois sacs, je sais plus. Et bonjour, ça demande trois sacs, je crois. Donc ça vous évite de gaspiller des sacs parce qu'après c'est très énervant d'aller ça vous fait perdre un temps fou d'aller chercher des sacs à l'autre bout du rayon et de réapprovisionner. Donc moi un jour j'avais noté sur un papier pour me rappeler si c'était salutation ou quoi, et à la fin je me rappelais exactement quel client voulait combien de sacs. Je sais pas si vous m'avez comprise. Mais en tout cas, ça gagne un peu moins que le livreur, parce que là, en deux clients, j'ai eu que 112, alors que tout à l'heure, en deux clients, j'avais eu 125. En un client, pardon, j'avais eu 125. Là, en deux clients, j'ai eu 112, et maintenant, en trois clients, 260, alors qu'avant, 666. Donc, je vous conseille vraiment livreur, mais les deux sont cool. Donc, maintenant, je vais me rendre à ma maison, parce que j'ai une humeur d'enfer nulle, hein. Donc, on va un peu améliorer ça. Les amis, si vous voyez que j'ai moins d'argent que prévu, c'est normal, c'est parce que j'ai payé toutes les factures. Alors si vous ne payez pas vos factures à temps, c'est très énervant, surtout quand vous avez une grande maison, parce que vous devez allumer toutes les lumières à nouveau, sinon, mais une par une, et elles restent pas allumées, elles se rallument pas toutes d'un coup. C'est vous qui devez le faire une après l'autre. En tout cas, moi c'est comme ça. Et vu que j'en ai beaucoup, parce que sinon je ne vois rien dans ma maison, je dois toutes vraiment. Bon, ce soir j'ai mangé une pizza, je pense, mais je vais commander quand vous serez pas là. Donc voilà, on rallume la télé. Alors moi, je me suis demandé quand j'étais débutante sur ce jeu, quand j'étais noob, comme diraient certains, est-ce que si jamais je laisse trop les lumières allumées, c'est là où je vais avoir des factures? Non. Alors je vous dis,
Ne vous compliquez pas la vie, n'éteignez pas toute lumière à chaque fois que vous allez travailler, que vous partez ou quoi. Ne vous en faites pas, ce n'est pas ça, c'est juste au bout d'un certain temps que vous êtes connecté, et ben vous allez avoir les factures à payer. Donc là, je suis en train de toutes les rallumer parce que j'étais avec vous à la caisse, au caissier, au BFF, supermarché de Bloxburg, donc c'est normal que, voilà, que je n'ai pas pu arriver à temps. Voilà, ici, vous voyez, après l'astuce aussi. Vous pouvez mettre une verrière comme toi. Donc par exemple, moi j'ai mis un toit vitré sur ma maison. On va aller un peu en accéléré pour booster mon humeur. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. En tout cas, moi ça me fait trop plaisir. Je vous dis prenez bien soin de vous. Attends, on va juste changer la danse. Voilà. Allez, bonne journée, bonne soirée, je sais pas. Au revoir.